mon âme et conscience, moi, président de ce tribunal, j'ai fait, messieurs, le résumé de ces débats. Vous jugerez. Certains d'entre vous penseront peut-être que l'âge de ce jeune homme et une certaine folie de passion pourraient être pour lui des circonstances atténuantes. Mais, monsieur le président, messieurs les jurés, c'est aussi en votre âme et conscience que vous vous prononcerez. Julien Sorel n'a pas tué, mais il a voulu tuer. Son crime est le même. Et ce crime a été prémédité. Vous connaissez maintenant ce meurtrier, je dis même. C'est mon droit et c'est mon devoir, cet assassin. Julien Sorel, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose. Je ne demande aucune grâce. Et surtout pas à vous, messieurs. Mon crime est atroce. Il a été prémédité. J'ai tiré deux coups de pistolet sur la plus noble et la plus adorable des femmes. Sur Madame de Rênal, qui avait été pour moi comme une mère. J'ai mérité la mort. Mais attention, ce n'est pas pour ce crime-là que vous allez me condamner. Non. Voyez clair comme je vois clair. Mon vrai crime pour vous, c'est d'être né dans une classe inférieure. Et surtout d'avoir voulu en sortir. En me faisant couper la tête, vous punirez ces jeunes gens qui sont nés dans la pauvreté, qui ont eu la chance ou le malheur de recevoir une bonne éducation et l'insolence de se mêler à ce que l'orgueil des riches appelle la société. Nous nous sommes rencontrés 100 fois dans la rue, vous et vos parents. Je vous connais tous par vos noms. Mon père a travaillé pour vous. Et cela, vous ne pouvez pas me le pardonner. Mais regardez-vous. Pas un seul ouvrier parmi vous. Pas un seul paysan, non. Rien que des bourgeois indignés. Et il y a de quoi? Oui? J'ai voulu être des vôtres, moi. Un fils d'ouvrier. Dieu est impossible entre nous, je le sens. Que j'aurais été heureux pourtant de te dire toute l'horreur que j'ai de mon crime. Et quand monsieur de Rênal est venu lui proposer la place, qu'est-ce qu'il a répondu, hein? Devinez, il n'a même pas pensé à l'argent. La première chose qu'il a dit, d'abord avec qui je mangerais. Ça, je n'y allais pas. Je ne peux pas manger à la cuisine. Je suis pas un domestique. Quand t'as bon à rien trouver une place pareille, il mange avec qui on lui dit. Oh, vous, si on vous payait, vous mangeriez avec les cochons. Yes. Voyons, voyons, sort. Oh, laissez, c'est peut-être la dernière d'ici longtemps. En tout cas, moi, monsieur le curé, je trouve drôle qu'on fasse élever des enfants par un garçon qui ne respecte même pas son père. En tout cas, il y a une chose qui m'étonne dans les yeux. Et c'est pour l'honneur du clergé, ce que je dis là, c'est que vous vouliez en faire un prêtre. Ouais, le bon Dieu, il n'est pas difficile. Voyons, Anton.
monsieur l'abbé. Vos petits élèves sont ici. Ah, non. Non, madame, non. J'ai bien passé l'âge. C'est Julien Sorel, à qui j'ai appris tout mon latin. Et même un peu plus, je crois. Alors, c'est vous, monsieur? Vous savez le latin? Mais naturellement, madame. C'est pour mon latin que monsieur Drenal m'a choisi. Oh, oui, bien sûr. Moi aussi. Venez, monsieur l'abbé. Et vous aussi, monsieur. Xavier! Xavier, Adolphe! Venez, venez! Venez. On s'était trompé. Il croyait que c'était le vieil abbé. Moi aussi, figurez-vous. Voilà Adolphe et Xavier. Vous ne les battrez pas, moi. Moi, madame? Pourquoi les battre? Il ne faut jamais battre les enfants. N'est-ce pas? Jamais, madame. Je vous obéirai en tout, à vous et à monsieur Drenal. Mais lui, il est un peu sévère, alors... Je le serai donc un peu, s'il le souhaite. Quel joli petit prêtre. Pas encore, Elisa, mais il le sera. Ne l'oublie pas. Dommage. C'est la question de la vie que vous allez lui faire faire. Des fois, vous vous accorderiez pas, lui et vous. Eh ben, l'avis, il faudrait tout de même qu'il lui reste. Écoutez, Sorel, je crois qu'après des conditions vraiment exceptionnelles que je fais à votre fils... Oh, monsieur le maire, faut pas croire. Nous avons vu ailleurs. Par exemple, chez qui? Oh! Ah! Bonjour, mon ami. Portez la malle de monsieur Sorel chez lui. Ici, l'on vous appellera monsieur, ne l'oubliez pas. Et du sérieux, je vous prie. De la dignité. Arrêtez! Capitaine Lafarelle de la garde impériale. Ah, ah, c'est la cantine du fameux oncle. Oui, monsieur, je n'ai pas d'autre mal. Vous l'aimiez beaucoup, votre oncle? C'est le seul homme qui ait été bon pour moi. Vous aviez 10 ans, c'est votre excuse. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que c'était un voyou. Un officier de Bonaparte. Un voyou. À la solde d'un autre voyou. Vous venez? Oui, monsieur. Voyou toi-même. Doucement, calme-toi. Il n'y a que les sots qui se mettent en colère contre les autres. Allez! Ça reste toujours un enfant. Quand donc aurais-je compris qu'il me faut donner de mon âme à ces gens-là, que juste pour leur argent? Si je veux être estimé et d'eux et de moi-même, il faut leur montrer que c'est ma pauvreté qui est en commerce avec leur richesse. Vous remarquerez que je vous ai logé à l'étage des maîtres. Je vous en remercie, monsieur. Mon cœur est à 1000 lieues de leur insolence et trop haut placé pour être atteint par leur dédain ou leur faveur. Le vêtement que j'ai commandé pour vous n'est pas prêt. Mais ce soir, vous prendrez cette redingote. Je ne l'ai pas portée depuis longtemps. Tenez-vous à dire adieu à votre père? Non. Il y a longtemps que c'est fait. Si j'avais une mère, j'aurais plus de chemise. Mais je n'ai rien, rien. Ni chemise, ni mère. Mais j'ai ça. Besoin de seriner le latin des enfants riches. Tu m'aurais fait général sur le champ de bataille. Avec prudence. Prudence. Sainte vertu de prudence. Là. Dignité. Encore de la dignité, toujours de la dignité, odeur de la dignité, quand on l'a beaucoup transpiré. Entrez. On vous attend pour le dîner, monsieur Julien. Merci.
Monsieur Julien, pour le dîner, il faudrait changer de chemise. Ah. C'est que je n'en ai pas beaucoup. Je m'occuperai de ça. Vous en aurez toujours une propre. Adolphe, Xavier, allez dans la salle d'études. Et lavez-vous les mains. J'arrive. Ne leur faites pas peur. À personne, je crois. Si, à moi, quelquefois. Tenez, en ce moment... Écoutez. Mes enfants ont fait tellement de progrès et vous êtes si bon pour eux. Je les aime, madame. Vous accepterez bien de leur mère un petit remerciement. Oh, rien. Ça me fera plaisir. Quelques louis pour vous acheter un peu de linge. Seulement... Seulement quoi? Seulement, vous n'en parlerez pas à mon mari. Monsieur Drénal me paie, madame. Ne le savez-vous pas? Je vous ai blessé. Je suis petit, madame, mais je suis loin d'être bas. Je vous dois sans doute des remerciements pour votre pensée. Je vous remercie, donc. Quant à mon linge, personne n'a pu dire, je pense, que je sois jamais descendu dîner avec une chemise sale. S'il vous plaît, madame, voulez-vous m'entendre instruire les jeunes messieurs Drénal? Permettez. Asseyez-vous. Aujourd'hui, papillons. Montrez-moi tous les papillons du jour. On se promène pour s'instruire, et non, en dépit des apparences, pour s'amuser. Je trouve absurde de donner de l'argent à quelqu'un qui nous sert bien et dont je suis content. S'il sort la chair, alors oui, il faudrait lui faire des cadeaux. Bonne nuit, mon ami. Vous m'en voulez? Puisque vous lui en avez parlé la première, il les aura, ses 100 francs. Je regrette seulement que vous ayez toléré un refus d'un domestique. Julien n'est pas un domestique. Tout ce qui n'est pas gentilhomme, vit chez nous et reçoit un salaire, s'appelle domestique. Vous le savez comme moi. Et puis non, je ne donnerai pas un franc à un garçon qui peut nous quitter demain. Nous quitter, Julien? Bien sûr. Vous n'avez rien remarqué entre Julien et Elisa? Elisa. Entrez. Je bassine le lit de madame. Faites, faites. Le lit de monsieur aussi. Oui, oui, s'il vous plaît. Elle n'est pas vilaine. Elle vient de faire un bon petit héritage, bien confortable. Ah. Pouvez-vous me dire pourquoi elle reste chez vous? Mais par attachement. Par attachement. Julien et Elisa, vous n'y pensez pas? Et si je vous disais que j'ai vu Sorel sortir de sa chambre? Oh, c'est vous qui n'y comprenez rien, mon ami. Elle s'occupe de ses chemises. Vous êtes une adorable enfant. Bien sûr, elle s'occupe de ses chemises. Vous laisseriez épouser cette fille? Comment? Je veux dire, après tout ce que vous avez dépensé pour lui. Et que voulez-vous, j'aurais perdu un peu d'argent. En tout cas, je garderai l'habit noir que je lui ai fait faire. Le lit de monsieur est chaud. Merci, Elisa. Bonsoir. Bonne nuit. Dites-moi, Elisa. Madame. Ce petit héritage que vous avez fait, il y a bientôt 3 mois. Et bientôt, madame. J'ai cru que vous alliez me quitter, Elisa. Madame n'est pas contente que je reste? Mais si, Elisa, très contente. Seulement, je pensais que vous aviez peut-être envie de vous établir. Si madame permet, je suis très contente d'être chez madame. Il a
Je ne trouve pas ça drôle. Dites donc, Sorel, allez donc chercher le journal. Et apportez-moi mes lunettes par la même occasion. Parler sur un ton. Si je lui parle sur ce ton, c'est précisément parce que je tiens à le garder. Je crois que vous faites fausse route. Mais je connais mieux que vous ce petit paysan. Et ce cadeau de 100 francs que je lui ai fait sur votre demande est une erreur que je suis en train de rattraper. Ah. Voyons. Ah. Notre ville n'avait pas eu depuis 7 ans l'honneur de recevoir un souverain étranger. Elle saura accueillir son auguste visiteur par des fêtes et par un enthousiasme digne d'elle, et nous l'espérons digne de lui. Le maire de Verrières a décidé qu'une garde d'honneur serait constituée, garde à cheval désignée par notre maire lui-même, et qui jouira pendant la durée du séjour royal des prérogatives militaires. Je crois qu'on se battra pour en être de la garde. C'est naturel. Je ne dis pas non. Je suis moi-même très fier de la commander. Quant à l'aspect religieux des fêtes, vous verrez qu'il sera digne du reste. L'occasion est trop bonne et j'en profite. Au programme, le roi ira vénérer la relique de Saint-Clément. Je demanderai un évêque et je l'aurai. Vous verrez que ça fera encore plus de monde que pour la foire. Chose qui se savent à Paris. Si elle retire encore sa main, est-ce que j'aurai le courage de la prendre et de la garder? Si elle crie, il va me sauter dessus. Oh, tant pis. Le devoir, c'est le devoir. Je dois prendre cette main et la garder. Un point, c'est tout. Oh, tu as peur, Julien. On y va. Non, minute. La nuit de 10 heures va sonner. Quand elle sonnera, tu prendras la main. Pas avant. Oh, parce que tu espères qu'on sera parti. Non, trop tard. Ma foi, il ne fait plus tellement chaud. Vous venez? Pas sonner. Sonnez. Eh bien, moi, j'ai froid. Alors, vous venez? Pas très tard. La demi a sonné. 4 fois. Et vous avez la voix de quelqu'un qui s'enrhume. Allons. Non, je vous promets, l'air me fait du bien. Bon. Mais vous, si vous allez dormir trop tard, la leçon de demain commencera encore à je ne sais quelle heure. Comme ce matin. Ce matin, monsieur, j'étais malade. En ai-je le droit? Vous l'avez. Mais je vous croyais robuste, malgré les apparences. Alors je m'occupe mal de vos enfants. Ce matin, pas assez. Osez-vous, quand vous en aimez une autre. Une autre, madame? Une autre que vous? Je vous aime avec passion. Et quelle faute pour un jeune prêtre. Vous n'allez pas vous coucher?
n'ai pas sommeil, monsieur. À votre aide. Beau. Oh non, non, ne plaisantez pas. Dites-moi si je peux encore faire figure pour marcher en tête d'une garde d'honneur composée de jeunes hommes. Pourquoi non? Si j'en crois cette tunique, j'ai un peu grossi. Oh, ne la croyez pas, ce costume vous va très bien, mon ami. Et le cheval? Est-ce qu'il m'ira bien, le cheval? Vous montrez le plus doux. Évidemment. Que diriez-vous de monsieur de Moirot? Moirot? Dans la garde d'honneur? Il insiste. Oh, il n'est pas un peu... Enfin, un peu lourd. Vraiment? Plus que moi? Voyons. Parfait. Merci. Moirot est nommé. Bonne nuit, Lisa. Vous pleurez, Lisa? Non, monsieur. Mais si vous pleurez, pourquoi? Madame ne s'en doute pas du tout. Moi, non. Vous ne voulez pas nous le dire? Madame, c'est parce qu'il ne veut pas m'épouser. Julien ne veut pas vous épouser? Une jolie fille comme vous? Une jolie dot comme vous? Allons, allons, ça s'arrangera. Monsieur Julien, ce n'est pas des filles comme moi qu'il cherche. Si vous voulez, Elisa, je parlerai pour vous à Julien. Ma chambre. Comme chez un valet qu'on veut chasser. Cette fois, c'est beaucoup trop. Et je ne resterai pas chez un espion. Seulement, si je dois passer la porte demain, j'aurais eu la femme avant. Ah, vous forcez mes serrures, mon bon monsieur. Je forcerai les vôtres. Mais m'est avis qu'elles ne tiennent plus guère. Allez, en route! Forcez l'ennemi tout de suite. Ça, c'est Napoléon, tout pur. Aux armes! Et j'en ai même pas envie. Ce n'est pas la question. Envie ou non, il faut y aller. En tout cas, il y a bien dans la ville trois ou quatre de ses amis que j'aimerais mieux. Très joli. Mais si quelqu'un me rencontre, alors dis-le, tu as peur. Raison de plus pour y aller. Et si son mari est chez elle? Ah, oh, là. Mais non, il est là. Il dort. Faut y aller. Si quelqu'un te reproche un jour d'avoir commencé comme précepteur, tu pourras toujours dire que c'était par amour. Jamais péché n'aura été commis avec moins de joie. Et voilà. J'ai fait ce que je voulais. Je suis dans sa chambre. Est faite, je peux m'en aller sans honte. Sans honte? Lâche que tu es. Tu voudrais faire croire que le plus difficile est passé. Alors tant pis. Je la réveille. Vous êtes fou? Allez-vous-en. Je ne pouvais pas ne pas venir. Allez-vous-en, 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 je vous en supplie. Je vous ai dit que je vous aime. Vous m'avez dit aussi quelle faute. Et vous voudriez me la faire partager? Oh non, Julien. Oh non, Julien, ne faites pas ça. Elle prie ma parole. Je n'ai jamais vu prier de cette façon-là. Cela fait peur.
Elle appelle Dieu à son secours parce qu'on peut appeler Dieu sans crier. Et si elle appelait son mari, je serais sûrement abattu. Mais elle ne veut pas que je sois abattu. Donc tu me prouves que tu m'aimes en appelant Dieu à ton secours. Tant de froideur à mon âge, pourvu que ça ne m'enlève pas le plaisir. Comme elle est jolie en ce moment. Et j'ai pu penser qu'elle ne me plaisait pas. Je ne savais même pas ce dont je parlais. Oui, monsieur, il sera très bien commis ce péché. Oh, ça doit être merveilleux. Oh, Julien, Julien, vous ne voulez pas prier avec moi pour que nous ne commettions pas de péché? Non, je ne veux pas. Mais vous n'avez donc pas pitié de moi? Non. Vous ne voyez donc pas que je vais mourir? Non. Oh, va-t'en! Pardonnez-moi, je dormais encore. Que vous arrive-t-il? Pourquoi vous êtes enfermé? C'est stupide. Tout d'un coup, cette nuit, j'ai eu peur. Il fallait m'appeler. Oh non. Non, tout de suite après, je n'ai plus eu peur. La fabrique de La Praz est en feu. À votre avis, dois-je y aller? La Praz, vous m'écoutez? Un libéral qui vote contre moi, qui veut ma place. Oh, vous êtes seul juge, mais il me semble que l'habileté serait de vous montrer chez lui. Ouais, je note qu'il m'a fait avertir. Je prends ça pour un hommage. Vous lui devez donc une politesse. Allez voir brûler sa fabrique. Vous avez raison. Merci. Pas vu ce que je viens de faire. Moi? Tiens, je vais te montrer. Mais pourquoi? Si, si, tu vas voir. Je me suis dit, s'il voit tout ça, nous sommes perdus. Alors je t'ai poussé dans la ruelle. Ton habit, je te l'ai jeté. Ta chemise aussi. Ton pantalon. Et tes deux bas. Puis je lui ai dit, c'est vous, mon ami? Je suis allée à la porte. Je l'ai ouvert. Il s'était habillé à la diable. Sa cravate était de travers. Je l'ai rajustée. Et il est parti. Alors j'ai poussé le verrou. J'ai pu faire tout ça aussi facilement. Tu me méprises bien, n'est-ce pas? Tu as été admirable. Ça s'appelle admirable de mentir effrontément à son mari. Tu viens de me l'apprendre?
Oh non, 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 ne me regarde pas. J'ai 10 ans de plus que toi. Qui t'a dit ça? La première fois que je t'ai vue, je me suis dit, oh, elle a 20 ans. Toxin. Incendie providentiel. Oui. Oui, j'en suis là à me réjouir d'un incendie. Oh, quel malheur que je ne t'ai pas épousé, toi. Oh, je suis sotte. Le mariage, ça ne peut pas être ça. On en parlerait autrement. On n'oserait même pas en parler. Crois-tu... Non, mais crois-tu raisonnablement qu'il puisse y avoir des gens aussi... Oh, je ne sais pas comment dire. Aussi heureux que nous. Moi, c'est bien simple. Je ne croyais pas que ça pouvait exister. Oh, tu as de jolis pieds, mon petit paysan. Louise. Non, non, je t'en prie. Ah non! Pourquoi? Tu n'aurais pas aimé être soldat? Soldat? Tu sais ce que ça veut dire, soldat, pour un garçon pauvre? 7 ans de misère. Mais tu ne les feras pas, toi? Non, bien sûr. Puisque je serai prêtre. Oh, putain, Napoléon, j'aurais été officier tout de suite. J'aurais pas eu besoin d'être curé. Si on y pense, on ne peut plus être heureux. Oh, mais tu parles comme un vrai sans-Dieu. Tu m'as cru? Voyons, qu'est-ce que j'ai à faire de Napoléon? Oh, tu m'as fait peur. Oh, je ne suis pas inquiète pour ton avenir, là. Tu sais qu'il y a du génie, Julien. Assurément. La monarchie et la religion ont besoin d'un grand homme. Elles l'auront, madame. Et moi, je serai damnée. Non. Non, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai commis notre péché. Je t'ai aimé le premier jour. Tout est arrivé par ma faute. Si tu savais comme j'ai été jalouse d'Elisa. Sais-tu qu'un soir, je suis allée écouter à ta porte. Parce que j'avais peur qu'elle soit chez toi. Oh, Dieu, que j'ai pu être malheureuse. Ça doit être ça, l'enfer. Oh non. Oh non, ça doit être encore bien pire. Oh, embrasse-moi. Embrasse-moi vite que je ne pense plus. Oh, mais toi, tu n'as pas peur d'être damnée? Non. Mais si on est ensemble? Oh, mais si le diable est vraiment méchant, il doit séparer les... Et les amants. Oh, non, non, non. Non, non, il va revenir. Non, il y a le feu. Oh, Julien, Julien, s'il nous trouve, il nous tuera. Et tu regretterais la vie? Maintenant, beaucoup. Mais pas de t'avoir connu. Bonsoir. 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 Vous me demandez là, ce serait vraiment capituler devant ce garçon. Après la façon dont il m'a répondu hier soir. Rappelez-vous, vous avez été très dur avec lui. Enfin voyons, un Julien Sorel dans la garde d'honneur, ce serait impossible à faire à nous. À vous ou aux autres? À moi comme à eux. Voulez-vous nous l'attacher sincèrement? Alors rien ne sera meilleur que cette petite satisfaction d'amour propre. Pensez à ce que ça peut représenter pour un petit paysan. Oui, oui, oui. Mais les familles nobles dont j'ai refusé les fils. Nobles? Vous l'êtes assez pour faire la fortune de qui vous voulez. Vous avez réponse à tout. Elisa, j'ai parlé pour vous à monsieur Julien. Je remercie madame.
Malheureusement, il m'a répété ce qu'il vous a dit à vous-même. Il veut toujours être prêtre. Je sais, madame. Mais ça, madame, même monsieur l'abbé Chélan n'y croit plus. Pourquoi l'abbé Chélan? Parce qu'il connaît bien monsieur Julien, madame. Et moi, je me confesse à lui. D'ailleurs, madame est trop bonne de parler pour une femme de chambre à un monsieur qui sera garde d'honneur. Que voulez-vous dire, Elisa? Rien, madame. Puisque madame parle à haute voix devant moi, je n'ai pas à m'excuser d'avoir des oreilles. Je suis à la disposition de madame. Je n'ai pas besoin de vous ce soir. Comme madame voudra. Je souhaite une bonne nuit à madame. Bonne nuit.
tu ne viennes pas. Je t'avais tellement grondé la nuit dernière. Pas tellement. Non, pas tellement. J'ai attendu qu'il dorme. Est-ce que tu serais venu vraiment? Tu n'en es pas sûr. Curé, non? J'ai la berlue. C'est un petit curé, vous n'avez pas la berlue. Monsieur Julien! Oh! Oh, le fils serait dans les cartes d'honneur! Oh, jardin rénal, cela passe l'entendement! Oh, mais ça ne vient pas de lui, ça vient d'elle! Monsieur Julien! Ça fait plaisir de me voir sans son habit noir. Messieurs, à la mairie! Qu'on raconte, ce serait vrai? Mon ami, des mauvaises langues, il y en a. Mais il y a aussi un fait certain, c'est que ce qu'elles disent est toujours vrai. Oh! Oh! Tu peux monter à côté du cocher? Oui, mon chéri, mais fais attention. Oh, monsieur l'abbé, vous avez vu le petit Sorel? Oui, oui, j'ai vu. Oh, enfin, c'est incroyable! Madame, je ne suis pas content de Julien. Ni de vous, je ne voulais pas donner pour qu'il se pavane en aviron. Prenez garde, ils sont en train d'en faire un monde. Adolphe, descends. J'attendais mieux d'une chrétienne comme vous. J'y ai pensé. On pense toujours trop. Imbal, toi, va me chercher monsieur Julien. Dis-lui que j'attends la sacristie. Allez, file! Mes respects, madame. Rien, mon chéri. Ah, suivez-vous. Toi, file devant. Dépêche-toi. Je t'avais ménagé une entrevue avec monseigneur en te demandant comme officiant. Mais ce que je déguise en militaire. Ils sont rebelles, m'avertis. J'ai connu des sournois, mes paroles. Je le reconnais, mon père. J'ai pêché par vanité. Ah oui, cet uniforme fait plaisir. Oh, s'il n'y avait que l'uniforme, surtout. Ah, monsieur Monsacot, permettez-moi. Je ne permets rien, tu devrais avoir honte. Pécavi. Tais-toi. Tu devrais avoir honte, je te dis. Et de bien d'autres choses encore. Pécavi, pater. Tais-toi. Je t'ai fait trop confiance, Julien, mais c'est fini. Je veux maintenant. Je ne te demande pas. Je veux que tu choisisses ou bien le séminaire, et je n'y crois plus beaucoup, ou mieux que moi, tu sais bien, Julien. Le veuf qui veut t'avoir pour ses enfants. Mais ce que j'ordonne, c'est que tu quittes la maison de monsieur de Rénal. Tu m'entends bien? Je dis de monsieur de Rénal. C'est Elisa, naturellement. Tu n'as pas à le savoir, et moi non plus. Ces cheveux sont ridicules. Allez, pars. Fais vite. Nous allons chercher l'évêque d'Agde qui fait attendre le roi. C'est rien, mais... Aussi ces messieurs du chapitre, ce qui n'est pas poli. Tiens, monsieur. Oui, ça peut aller. Allez, passe. Oh! Et on lui moi, c'est les éponges, seigneur. Monsieur, parlez-moi. Ils sont fixés dans les bottes. Et on les fait. Oh, lui. Garde tout ça. L'évêque nous attend. Allez, passe. Non, non, je ne peux pas vous répondre. On ne m'a pas laissé d'instruction. Et je ne sais pas où est monseigneur. Eh bien, moi, je le saurai.
Non, il est trop jeune. Mais si. Oh, à peine plus vieux que moi. Eh bien, monsieur, ma mitre est-elle enfin arrangée? Monseigneur, je suis envoyé par le doyen du chapitre, monsieur Chélan. Ah, je vous demande pardon. On devait m'apporter ma mitre qui a été abîmée pendant mon voyage. On la répare, mais c'est bien long et je fais attendre ces messieurs. Seigneur, j'irai chercher la mitre si votre grandeur le permet. Allez, monsieur, mais vite, je vous en prie. Ils l'ont fort bien réparée. Elle tiendra. Fera-t-elle bien? Fort bien, monseigneur. Je n'aime pas les flatteurs. Pas trop en arrière, c'est un peu niais. Trop en avant, on dirait un shako d'officier. Là, cette fois, je crois j'y suis. Évêque, tu t'exerces à bénir. Oh, évêque, évêque, tu fais l'exercice. Oh, évêque, il n'a pas 30 ans. Et son évêché lui rapporte combien? 200 ou 300 000 francs, au moins. Mes filles, cette cérémonie doit vous laisser un impérissable souvenir. N'oubliez jamais, jeunes chrétiennes, que vous aurez vu l'un des plus grands rois de la terre à genoux devant les serviteurs de Dieu. Est-ce que jamais l'armée me donnerait une telle puissance? Regarde le roi. Il n'est qu'un petit figurant et le premier rôle. C'est l'évêque. C'est peut-être une bénédiction que tout à l'heure, l'abbé Chélan l'ait pris sur ce ton. Faible, persécuté, triomphe au ciel, parce que les armes des hommes ne peuvent rien contre la justice divine. Julien, Julien, tu t'égarais. Et ce bon vieux Chélan t'a remis sur le droit chemin. Oui. Le séminaire. Le séminaire. Le séminaire. Regarde, Julien, tout ce que tu manquerais. Ce serait toi, cet homme en violet et tout en or. Tu aurais à tes pieds un roi comme lui et toutes ces jeunes filles.
Eh bien, il était temps. Oh, j'allais commettre une belle maladresse. Oui, mais regarde aussi l'abbé Pirard, directeur du séminaire de Besançon. Passer 4 ans auprès de cette figure terrible, c'est payer cher. Eh, pour une mitre. N'est-ce pas, jeune chrétienne? Vous vous souviendrez à jamais de ce jour. Vous détesterez l'impie. À jamais vous serez fidèle à ce Dieu si grand, si terrible, mais si bon. Vous me le promettez? Nous le promettons. Je reçois votre promesse au nom du Dieu terrible. Lisez-nous un peu ce qu'on dit de nos fêtes. Vous pouvez lire. Le passage d'un grand roi dans une petite ville est un événement qui honore cette ville. Tu... et consacre à jamais... Tu... Qu'y a-t-il, mon ami? La bonté de ce roi. Rien. Je m'excuse. Oui. Notre heureuse cité de Verrières a connu le bonheur de vivre une de ces journées que la ferveur même et l'enthousiasme de toute une population firaient à rendre historique. Si elle n'était déjà rendue telle, par la rencontre hautement et pompeusement célébrée du trône et de l'autel. Le prince qui nous a honorés de son auguste présence aura su reconnaître sur le visage de notre Verrières toute la haute dévotion et la gentillesse de qui est prêt à se dévouer à toutes les nobles causes. Soyons persuadés qu'à Verrières, étendards et drapeaux qui honoraient sa précieuse majesté ne battaient pas plus fort au vent de nos montagnes que nos cœurs au souffle de notre enthousiasme. Continue, continue, travaille. Tu n'as même pas ouvert ta porte cette nuit. J'ai fini. Finissez tous les deux. Mais maintenant, ce serait une folie. La maison est pleine d'ennemis. Même pas courageux. Je t'en prie, ne me fais pas parler de mon courage. Rien n'est plus ridicule. J'ai fini. Restez à vos places. Relisez ces deux maximes et cherchez en quoi elles se ressemblent. La lettre anonyme. Il t'en a parlé? Non, pas un mot. Oh, voilà, c'est bien ça qui m'ennuie. Mais attends, attends, tu es toujours en colère. Au contraire, c'est même une chance. Et ça m'a donné une idée. Je prendrai les devants. On a fini. On a fini. On a fait autre chose. Allez, dessinez un chien. Là. Tu disais? Je disais que moi aussi, je vais recevoir une lettre anonyme. Toi? Mais tu ne comprends rien. Une lettre anonyme écrite.
Tu m'écoutes? Hein? Madame, renvoyez vous-même ce petit paysan. Ainsi, votre mari ne pourra plus croire ce qu'on raconte sur vous. Pas mal. Pas mal. Alors tu vas découper tous ces mots-là dans un livre que tu brûleras après. Tu les colleras sur ce papier. Et puis tu me donnes la lettre et je fais le reste. Adolphe, est-ce vous qui avez la colle? Oui, monsieur. Merci. J'ai dit, foutez-moi le camp! J'ai mieux deux imbéciles que trois! Allez, à tout le monde! Je vais vous parler. Mais y a pas moi, je travaille. Mais il s'agit d'une chose très grave, mon ami. Des choses très graves, il n'y en a plus pour moi maintenant. Vous ne comprenez pas, mais ça ne fait rien. Lisez! C'est une lettre abominable. Qu'un homme de mauvaise mine m'a remise à la sortie de l'église. J'exige que vous mettiez dehors et sans délai, monsieur Julien. Pourquoi Julien? Lisez. Il n'y a qu'à le renvoyer tout de suite, vous lui donnerez quelques écus. Et s'il est aussi savant que vous le dites, il ira chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un d'autre? Vous parlez comme une folle! Je parle comme une femme dont l'honneur est en cause. Cet honneur est encore le vôtre, j'espère. Ah, la couleur est bonne! Hein? Il sera content? Oui, content, il en a tout l'air. On lui fait goûter? Ça n'est pas trop le jour de lui donner de l'alcool. Disons qu'il a été maladroit, comme un paysan qu'il est. Mais enfin, après tout ce que nous avons fait pour ce Julien, me voilà compromise à cause de lui. Oui, oui, ne parlez pas si vite, réfléchissons. Je n'ai pas du tout réfléchi, monsieur, quand j'ai lu ce papier abominable. Je me suis promis que votre Julien ou moi sortirions de cette maison. À vous de choisir. D'abord, pourquoi m'appelez-vous, monsieur? Et pourquoi dites-vous des sottises? J'ai dit réfléchissons. Je vais faire un scandale pour me déshonorer, et vous aussi? Eh bien, je lui parlerai moi-même. Vous ne lui parlerez pas! Je vous connais, vous vous mettriez en colère. En colère? Mais pourquoi? Mais ne criez pas si fort. Vous mettriez en colère. Il partirait avec fracas. Ça fait comme ce petit monsieur est susceptible. Oh, je le sais mieux que vous. Et je me suis toujours méfiée de lui depuis qu'il a refusé Elisa. Qui du reste en est très malheureuse. C'est vrai? Et pourquoi a-t-il refusé Elisa? Vous le savez? Il m'a toujours parlé de la vocation qu'il appelle au Saint-Ministère. Mais la vraie vocation de ces garçons-là, voyez-vous, c'est d'avoir de quoi vivre. Bien dit. Mais laissez-moi faire. Oui, mais ne tardez pas trop. Car enfin, cette lettre m'a ouvert les yeux. Et je peux vous le dire maintenant. Oui, j'y pense. Il me fait tout le temps des compliments de mauvais goût qu'il a dû ramasser dans les romans. Il n'en lit jamais. S'il les invente, c'est encore pire. En tout cas, Elisa a pu l'entendre quand il me les débitait. Mais pourquoi toujours Elisa? Tant pis, il faut vous le dire. Parce que cette lettre ignoble est collée sur son papier à lettres. La mienne aussi est écrite sur ce papier. Comment? Vous aviez reçu une lettre et vous ne m'en avez rien dit? Xavier, mais qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Il est tout rouge. Il a mal à la tête. Monsieur Julien n'est pas dans sa chambre. Bon, va, mon chéri, va, je viens tout de suite. Oh, mon Dieu, j'étais là avec toi comme une misérable et pendant ce temps, Xavier tombe malade. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu comprends très bien. Dieu me punit, il a raison. Mais écoute, ça n'est rien, il est avec toi. Ah non, pas vous. Nous avons fait assez de mal. C'est moi que ça regarde maintenant. C'est merveilleux d'être aimé d'une chrétienne. Louise, jamais tu ne m'as si bien dit que je t'aime. Oh, comment ai-je pu inspirer un tel amour, moi si pauvre, si mal élevé? Non, ma petite Louise, je ne te quitterai jamais, jamais, même pour une mitre.
encore une bouillotte. Voilà. Il dit le proverbe. Je ne sais plus ce qu'il dit, mais nous avons eu trop de bonheur. Un roi dans notre maison. Ces journées merveilleuses, l'évêque, les félicitations du préfet. Mais il est bien vrai que trop de contentement se paie. Non, mais... Voyons, mon ami, voyons. Entrez, Julien, entrez. Pourquoi n'entrez-vous pas? C'est Julien, mon petit bonhomme. Il ne reconnaît pas. Voyez-vous, je disais à ma femme, je ne suis pas superstitieux, mais tout allait très bien. Je vous en prie. Oh non, écoutez-moi. Il va mourir à cause de moi. C'est moi qui le tue. Laissez-moi compter, c'est déjà assez difficile. Oh Dieu, le sait bien. Écoutez-moi. J'ai commis un crime. Je ne veux pas qu'il punisse mon enfant. Donnez dans un spectacle. Mais je veux me sacrifier, moi, je veux me déshonorer. Oh, si vous saviez. Est-ce que vous croyez que j'ai envie de savoir? Enlevez-vous, ce n'est pas de cri qu'il a besoin. La fièvre monte encore. Je vais atteler. Fonce dans la boue, tant mieux, c'est ce que je veux. Alors s'il faut un coupable, autant me prendre en moi. Moi, je n'ai rien à perdre. Alors, si seulement je pouvais prendre son mal, comme tu serais soulagé. Oh, toi, vraiment, tu l'aimes. Oh, mon Dieu, si tu étais son père, j'aurais le droit de t'aimer plus que lui. Je ne dirai rien. Oh non, Julien! Oh non, ne pars pas. Oh, si tu t'en vas, dis-toi à mon mari. Il faut que tu sois là tout le temps. Que tu me regardes tout le temps pour m'empêcher de parler. Je suis bien sûre maintenant de ce que tu décides. Oui, sûre. Au reste, Julien,
Tu ne me toucheras plus, mais reste. C'est bien. Je resterai, Louise. Oh, mon Dieu. Oh, il étouffe. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, je vous jure, mon Dieu, que si vous guérissez cet enfant, Julien partira. Jure avec moi. Moi qui t'aime tant. Tu vois l'horrible choix que tu me fais faire. Oh, jure. Si Xavier guérit, je partirai. Regarde les yeux de papa, sur le mur. En haut. En bas. Content. En colère. C'est presque plus rentré. C'est comme si son fils n'était plus qu'à lui. Tu l'as bien voulu. De toi, ne parlons plus de ça. Va le voir. Comment va-t-il? Vous voyez bien? Il est complètement guéri. Le docteur l'a dit. Je me suis bien gardé de lui demander, par exemple. Voilà. Louise et Julien vont se quitter. Tu n'iras pas loin? Si. Très loin. Mais non. La maison des Moirot est tout près d'ici. J'y vais souvent. Les enfants jouent ensemble. Nous serons beaucoup moins séparés que tu ne crois, mon Julien. Non. Pourquoi? Parce que les lettres anonymes continueront. Ce qu'elle disait est vrai. Ce sera toujours vrai, Louise. Oh oui, toujours vrai. Tu vois bien. Oui, tu as raison, Julien. J'étais folle. Si un vrai scandale éclatait, nous serions séparés pour toujours. Je ne serai jamais plus précepteur. J'étais très heureux chez toi. Chez toi, j'ai pu être une espèce de domestique. Parce que je t'aime. Chez d'autres, je ne pourrai plus. C'est fini. Alors? Je vais retrouver ma vraie place. Au séminaire.
séminaire. Mais alors nous ne nous verrons plus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Je sais bien que tu m'approuves. Tu me crois encore une bonne chrétienne. Une bonne chrétienne, moi. Sais-tu ce que j'ai pensé? Au séminaire, au moins, il n'y aura pas de femme. Ça ne m'ôte même pas ma peine. Si au moins tu en avais autant que moi. J'en ai autant que toi. Oh non. Non, je suis sûre que non. Et pourtant, mon seul bonheur maintenant, ce serait que nous soyons si malheureux l'un que l'autre. Alors tu peux être heureuse. Désormais, tu vivras sans remords. Ce n'est rien, ça. J'avais accepté leur mort. Et la honte. Et le mensonge. Si c'était mon mari. On dirait que tu le souhaites. Qui est là? J'apporte votre costume, monsieur Julien. Accrochez-le à la porte. Dire que si j'avais acheté cette fille, nous serions encore heureux. Mon Dieu, à quoi m'aura servi d'être riche? Tout cet argent aura été inutile à mon bonheur. Raison, Julien. Va au séminaire. C'est très bien. N'embrasses-tu pas? Mais si, mais si. Oh, je suis trop, trop malheureuse. Pas maintenant, mon ami. Nous aurons bien le temps de l'être. Monsieur de Larigny. 15 points, monsieur Arnaud. 2 points, monsieur Fouquier. Contre 22 points, monsieur de Larigny. 16 points, monsieur Arnaud. 32 points à monsieur Fouquier. Vous le rangez, 17 points, monsieur Arnaud. Monsieur, vous désirez? 33 points à monsieur Fouquier. Contre 17 points à monsieur de Larigny. Bien pour la première fois à Besançon. Et je voudrais bien avoir, en payant, du pain et une tasse de café. C'est la fumée qui me fait tousser. Oui, je ne fume pas. Comment viendrait que ce soit avant 8 h du matin? À cette heure-là, il n'y a pas encore de fumée. Je suis presque seule. Une demi-tasse pour monsieur.
Vous venez pour l'école de droit? Là, sinon, je vais au séminaire. Ça ne fait rien. 3 sous sur 1 franc. Tous les jeudis, à 5 heures, ces messieurs les séminaristes passent devant le café. Ah, tous les jeudis. Si vous pensez à moi, quand je passerai, ayez un bouquet de violettes à la main. Mademoiselle, je sens que je vous aime de l'amour le plus violent. Ne parlez pas si fort. Moi, je suis de Dijon. Dites que vous êtes de Dijon, cousin de ma mère. De Dijon? Pourquoi de Dijon? Je te présente un cousin de Dijon. Hein? Eh ben, hé, y a pas de mal? Nous avons 5 points à Monsieur Arbaud, contre 5 points à Monsieur Moreau. Vous n'êtes pas fou de le regarder comme ça? Dans la boule, oh. Vous voudriez avoir une affaire au moment d'entrer au séminaire. Oh. Arrêtez. Vous voulez me faire des ennuis? Non, mademoiselle. Là-dessus, tout ce dont vous devez vous rappeler. Sortez à l'instant du café, sinon je ne vous aime plus. Pourtant, je vous aime bien. Contre 5 points à Monsieur Arnaud, dans la poule A. Contre 28 à Monsieur de la poule A. Comment vous appelez-vous? Amanda Binet. Je vous dois combien, mademoiselle Amanda? Quand vous reviendrez. Poule B, toujours 28. Est-ce que je lui ai bien parlé? Oui. Pas mal. Oh, comme c'est facile. Mais dire que pendant les 4 ans que je vais passer au séminaire, je ne pourrais pas me servir de cette arme-là. Approchez, oui ou non? Plus près. Votre nom? Julien Sorel. Ah bon. Vous avez bien tardé. Vous m'êtes recommandé par l'abbé Chélan, le meilleur curé du diocèse et le moins aimé. Après moi. Vous savez bien que l'abbé Chélan est fort mal en cours. Mais il est mon ami, depuis 30 ans. Sa recommandation est un grand honneur, mais aussi une charge. Parce qu'il faut savoir la vérité. J'essaierai, monsieur. Oui. Ma protection ne comporte ni faveur ni faiblesse. Elle n'est qu'un redoublement de soins et de sévérité. Allez fermer cette porte au verrou. Loqueris ne linguam latinam. Ita pater optime. L'abbé Chélan me dit qu'il vous a montré un peu de théologie. Vos maîtres vous examineront. Pour moi, vous me devez la sainte obéissance en vertu du paragraphe 17 de la bulle Unam Ecclesiam. Dans cette maison, mon fils, entendre, c'est obéir. C'est pourquoi je vous le dis tout de suite, vous ne devez entrer dans aucune société secrète ni congrégation sans mon consentement. Je vous en donne ma parole d'honneur. Ce mot n'est pas de mise ici. Nous n'avons que faire de l'honneur des hommes qui conduit à tant de pauvres. Vous ne sortirez dans ma ville que pour la promenade du jeudi ou pour aller vous confesser. Puis-je choisir mon confesseur au séminaire? Oui, bien sûr. Vous, monsieur? Pourquoi moi? Vous êtes l'ami de l'abbé Chélan. Vous y tenez? Oui, monsieur. C'est bon. Mais vous tombez mal, car on ne m'aime guère à l'évêché. Et ce choix est dangereux pour vous. Vous le maintenez? Je peux très bien ne pas avoir entendu.
Je le maintiens. Vous le regrettez déjà. Et vous le maintenez. C'est pas mal. Je ne regrette rien. Si, si. Vous aurez la cellule 103. Sorel, expliquez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette carte qu'on a trouvée dans votre chambre? L'abbé Chélan, mon protecteur, m'avait bien dit que le séminaire est un lieu de délation et de méchanceté de tout genre. L'espionnage et la dénonciation y sont encouragés. De la colère en plus? Ah, c'est trop fort! Et c'est à moi que vous faites des phrases? Petit coquin! Au fait! Le jour de mon arrivée, j'avais faim, j'entrais dans un café. J'étais rempli de répugnance pour un lieu si profane. Je pensais que le déjeuner m'y coûterait moins cher. Une dame, qui paraissait la maîtresse de la boutique, eut pitié de mon air novice. Besançon, me dit-elle, est rempli de mauvais sujets. Si vous arrivez quelques mauvaises affaires, ayez recours à moi. Elle m'a remis cette carte. Vous êtes mon confesseur, vous savez que je dis la vérité. Je n'ai jamais revu cette dame. Je l'avais complètement oubliée. Ouais. Et cette femme dont vous avez élevé les enfants, l'avez-vous aussi complètement oubliée? Elle est morte? Non. Non, rassurez-vous, elle vit. Elle s'en remet de tout maintenant. Je devrais dire adieu, mais je ne le dis pas. À son confesseur, un homme ambitieux et puissant auprès de l'évêque. Il en sait peut-être assez pour vous perdre. Et il le ferait assurément si certaines lettres tombaient entre ses mains. Quelle lettre? Elle m'a écrit. J'ai arrêté au passage plus de 10 lettres depuis 6 mois que vous êtes ici. Si vous les avez lues, vous savez bien que je n'ai pas répondu. Et qui me dit que vous n'en avez pas reçu d'autres? Moi, je vous le dis. C'est bon. Vous allez les détruire. Monsieur. Les détruire. Vous-même. Tenez. Allez. Malheureux enfant, ce sont des imprudences que vous paierez encore dans 10 ans. Et dites-vous bien, tâchez de comprendre que vous êtes entouré d'ennemis, parce que tous mes ennemis sont les vôtres. Et que maintenant, je ne serai même plus là pour vous défendre. Comment, monsieur, vous quittez le séminaire?
L'intrigue a eu raison de ma patience, sinon de mon courage. Je ne dirigerai plus cette maison. Je suis appelé à Paris. Je n'avais que lui ici. S'il s'en va, c'est le règne des jésuites. Et moi, alors, je suis perdu. À quoi pensez-vous ? À vous, monsieur. Pensez d'abord à vous, que je laisse au milieu des loups. Devrais-je mordre, monsieur ? Ou me laisser manger ? Je ne le sais même pas, Julien, tant votre caractère est étrange et même redoutable. Allez dormir maintenant, mon enfant. Monsieur, on dit que vous n'avez absolument rien mis de côté pendant les 10 ans que vous avez passé ici. C'est-à-dire ? J'ai 600 francs d'économie. Cela aussi sera marqué. Vois-tu, je ne devrais avoir ni haine ni amitié pour personne, et pourtant je te suis attaché. Je n'y peux rien. Ta carrière sera pénible. Tu seras détesté parce que tout en toi fait hurler le vulgaire. Mais j'aurai un grand regret de te quitter, Julien. Un vrai regret. Je prierai Dieu cette nuit pour qu'il m'inspire un moyen de t'aider encore. Je ne vous hais pas, Julien. Et je ne pourrai jamais vous haïr. Vous serez toujours ce que j'ai de plus cher au monde. Mais le ciel m'a fait la grâce de détester ma faute. Le sacrifice est fait, mon ami. Ce n'est pas sans larmes. Adieu, Julien. Soyez juste envers les hommes. Est-ce qu'elle ment ? Comme moi, j'ai menti à Pirard. Mais moi, j'ai des raisons pour mentir, ici où tout n'est que mensonge. Mais elle, pourquoi mentirait-elle ? La vérité, c'est qu'elle ne m'aime plus. Et je ne me révolte même pas. Oh, que faire ? On n'a besoin de moi nulle part. Oh, Julien. 6 mois de séminaire. Voilà qui tue un homme. Sorel n'a pas couché dans son lit. Ah ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Toute la nuit, j'ai demandé à Dieu la force de demeurer dans cette redoutable maison. Moi aussi, j'ai prié pour toi.
servir ma dernière messe. Mes enfants, avant de célébrer la Sainte Messe devant vous, voici les dernières paroles de votre directeur. En vous quittant, c'est à votre avenir que je pense. Que sera-t-il? Voulez-vous les honneurs du monde, les richesses, le plaisir de commander, celui de se moquer des lois et d'être insolent sans aucun risque? Ou bien, voulez-vous votre salut éternel? Pour vous, mes enfants, il s'agit de faire fortune dans ce monde ou dans l'autre. Il n'y a pas de milieu. Parmi vous, j'en vois sans même les connaître, qui sortiront du séminaire et se pousseront dans le monde. J'en vois d'autres qui essaieront de se pousser dans les chemins de l'Église et qui sans doute y réussiront. On le peut. Il y a parmi vous assurément de futurs grands vicaires et sans doute un évêque. Mais parmi vous qui m'écoutez, je vois aussi des vides, des places vides. Je vois des morts déjà. Y avez-vous pensé? Avant un an, vous ne serez plus si nombreux. Dieu aura frappé dans vos rangs. Pour cela, il n'y aura jamais de gloire ni de richesse terrestre. Et dans les années qui viennent, vos rangs s'éclaircissent encore. Que de flammes éteintes. La mienne est l'avant-dernière à gauche. L'avant-dernière à gauche. Que d'ambitions avortées. Que de bassesses inutiles. Mon Dieu, pardonnez-leur.